m'entendez en termes de micro? Ouais, ça a l'air d'être bon. J'ai un retour sur la vidéo Twitch, donc c'est cool. Bienvenue dans ce premier cours post-confinement. Donc autant dire que ça change beaucoup de choses. Hein. Avant, pendant le confinement, j'étais calé dans un fauteuil en train de faire des cours sur Twitch. Maintenant, je suis calé dans un fauteuil en train de faire des cours sur Twitch avec du café. C'est vrai qu'on a quand même un changement radical de position de ce point de vue-là. Ça valait le coup de déconfiner. Alors, le principe aujourd'hui, ça va être de venir ou de revenir, ça dépend, sur un aspect spécifique du cours. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, plusieurs choses. L'idée, c'est que là, évidemment, par rapport à d'habitude, on va passer plus de temps à faire du TP et moins de temps à faire du cours. J'ai un certain nombre de choses à vous montrer, j'ai un certain nombre de choses dont il faut que je vous cause, mais je vais pas forcément nécessiter que vous soyez calé 2 heures derrière votre machine pour écouter ce que j'ai à dire. Et du coup, donc toute la partie Twitch, ce sera sur l'aspect théorique. Je remettrai la rediff du live Twitch sur YouTube si jamais vous avez besoin de la reconsulter. Et ensuite on pourra switcher sur Discord, plus pour la partie exercice pratique. Alors, l'idée, je vais reprendre en fait le dernier cours qu'on avait fait ensemble. Je vais pas le reprendre en entier, mais je vais refaire un focus sur la notion de pointeur de fonction. Parce que c'est une notion sur laquelle on est passé un peu vite, et je pense que c'est une notion qui, à elle toute seule, nécessite vraiment... nécessite quasiment un cours complet, en fait. Surtout que, dans le cadre du projet, là, qui est à venir, c'est une notion dont vous allez avoir à pas mal vous servir. Sachant que les pointeurs de fonction, c'est vraiment la passerelle, en fait, vers le C orienté objet, et donc vers l'objet. La première passerelle, c'est tout ce qui est ensemble, autoréférencé et pointeur sur structure. Donc tout ce qui est liste chaînée, malloc sur, enfin type complexe et malloc sur type complexe, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues avant. Et le deuxième grand axe, c'est les pointeurs de fonction. Alors. Plusieurs choses à raconter sur les pointeurs de fonction. Donc, je vous fais peut-être un petit rappel avant sur la notion de pointeur de structure. Donc, on est d'accord que dans la mesure où on crée une structure et dans la mesure où on crée un type def qui lui correspond, on est capable de créer des pointeurs sur cette structure-là. C'est-à-dire que si je crée une structure que j'appelle myStruct, dans laquelle j'ai un certain nombre de paramètres. Donc, une fois que j'ai ça, on est d'accord que, quoi qu'il arrive, je peux soit, quand je crée un élément du type MyScript, faire quelque chose comme ça. Du coup, faire un... MyStruct étoile malloc de size of de struct MyStruct. Hop, je vais récupérer au passage mon compilateur. Donc hop, je fais mon include. Et qu'est-ce qui nous manque? Hop. Il va
va me manquer un point virgule. Voilà. Donc ça, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça, en termes de lisibilité, le code ça va, vous avez besoin que je fasse plus gros. Non, je pense que c'est lisible. J'arrive à lire depuis mon téléphone, donc ça doit aller. L'idée c'est que donc on a là à partir de là on a bien créé un point, on a bien créé un élément myStruct de notre structure. Et l'élément myStruct de notre structure, ici on crée un pointeur sur un élément de type myStruct, sur lequel ensuite on fait notre malloc. On est d'accord que. Hop là, si j'apprends à faire des copier-coller, c'est mieux. Mettons qu'on ait 5 éléments de type myStruct à créer. Donc on va appeler STUV et W. Ces 5 éléments-là sont des pointeurs. Bah, ce mécanisme-là, il est pénible. Ce mécanisme-là, il est pénible parce que une étoile à mettre partout ici et partout là, donc à gauche comme à droite, ce qui syntaxiquement devient rapidement compliqué parce que ça veut dire que je sais plus si je dois faire ça, ou si je dois faire ça, ou si je dois faire ça, et ainsi de suite. Donc du coup, la solution pour éviter ça, bah, c'est de créer directement un pointeur ici, sur étoile myStruct. Du coup, comme myStruct ici, ça devient un pointeur sur la structure que je me suis créée, bah, tous mes indicateurs de pointeur partout, je peux m'en débarrasser. Ça fait que tous les éléments de type myStruct, en fait, deviennent des pointeurs sur ce truc-là. On peut aussi découper notre syntaxe différemment en disant typedefstruct myStruct étoile myStruct. Du coup, ça on peut le virer et ça on peut le virer, ce qui permet de différencier la définition de la structure de la définition de l'alias. Et à partir de là, bah, j'ai donc bien mon élément ici qui a un pointeur là-dessus. Je peux même l'appeler myStruct pointer pour faire une distinction. Et du coup, hop, je vais le retrouver ici et là. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai enfin, j'ai le chat Twitch sous les yeux, donc si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Hein. Le gros intérêt aussi de ces découpages-là, c'est que si je crée, si je me crée un main.h, je vais pouvoir mettre ce typedef-là ici. Et je vais donc pouvoir différencier la définition de mon alias de la conception de ma structure elle-même. Hop, si j'apprends à écrire, c'est mieux. Voilà. Ce qui me manquait, c'était l'inclusion de mon point H. Le truc c'est que le truc de faire ça, ben voilà, c'est que du coup je me balade et je crée des éléments de type pointeur partout. Donc en fait, quand je fais ça, j'utilise des pointeurs partout, sauf que ce sont des pointeurs implicites. Le gros intérêt de ça, c'est que ben, si j'ai besoin de pointer par exemple sur le paramètre A, je sais que ce sera S flèche A, sur B ce sera S flèche B et ainsi de suite. Mais comme je sais que j'ai des pointeurs partout, ben, j'ai plus besoin de me poser la question de est-ce que c'est S.B ou S flèche B. Ben non, tous mes éléments sont des pointeurs, donc c'est des flèches partout. J'ai plus besoin de me prendre la tête à savoir quel est le bon opérateur à utiliser, c'est flèches partout. Le gros intérêt aussi, c'est que j'ai plus besoin de me poser la question de est-ce que je veux S ou étoile S. Je sais que c'est S partout, puisque le étoile, il devient implicite. Donc le gros intérêt de faire ça, le gros intérêt de créer des pointeurs à partir d'alias, bah, c'est de définir des pointeurs implicites. Et ces pointeurs implicites-là, ils vont permettre de créer des mécanismes de développement en C où tout est pointeur. Mais où du coup je vais plus avoir besoin de me poser la question de est-ce que je manipule des pointeurs ou pas. Et ça, pourquoi je vous remontre ça? Parce que c'était pas forcément quelque chose de nouveau. Pourquoi je vous remontre ça? Parce qu'en fait, faire ça,
C'est exactement la base de l'objet. Et notamment, c'est la base du C++, mais c'est aussi la base de tous les autres langages objets, que ce soit du Java, que ce soit du C Sharp ou ce que vous voulez. Si vous prenez par exemple du Java ou du Python, enfin surtout du Java, tout est pointeur en Java. Si vous prenez du C++, voilà, c'est un peu subtil, mais... Enfin non, tout n'est pas pointeur en C++, mais si vous prenez du Java, tout est pointeur en Java. Je veux dire, et le gros intérêt, bah, c'est que la création de tout ce qui est objet et élément, enfin et classe, vous vous contentez de remplacer votre malloc par un new. Parce qu'au final, ici, dans la mesure où le malloc il a une taille fixe, je peux totalement envisager de créer une fonction. Donc je vais appeler comment dire, donc myStruct pointer create struct. Hop, je fais un return ici de ce truc-là. Et du coup, bah ici, je remplace tout par create struct, partout. Bah, je suis désolé, hein, mais quand vous faites ça, vous faites du constructeur. Ça, c'est du constructeur en objet. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'objet avant, je sais pas, en C++, en Python, en ce que vous voulez, mais qui en ont fait par exemple en entreprise, quand vous faites ça, vous faites bien appel à une fonction qui est chargée de créer un élément de type myStruct en mémoire. Bah ça, c'est un constructeur. Donc rendez l'écriture de cette fonction-là implicite et c'est bon, hein, vous l'avez votre programmation orientée objet. Là, quand vous faites ça, vous faites du C, mais vous êtes déjà en train de faire du C orienté objet. Vous êtes déjà en train de faire du C où, en fait, la notion de pointeur, la notion d'allocation mémoire, etc., sont des notions complètement implicites. Et évidemment, l'avantage de ça, c'est qu'ici, si vous faites un int A, int B, int C, bon, on va mettre des underscores pour différencier. Vous pouvez totalement dire, bon, bah, je crée une structure S avec un malloc. Je fais un S.A égale, S flèche A, pardon, égale le paramètre A. S flèche B égale le paramètre B. Et S flèche C égale le paramètre C. Évidemment, moi je mets des int pour l'exercice, mais enfin vous mettez des strings, vous mettez des quarts étoiles, vous mettez des choucroutes, ça marche pareil. Et à la fin, je fais un return S. Bah, l'avantage, c'est que là, après, derrière, vous appelez avec les paramètres que vous voulez dans chaque fonction. Bah, je suis désolé, hein, mais quand vous faites ça, vous êtes en train d'appeler un constructeur. Quand vous faites ça, vous êtes typiquement en train d'appeler un constructeur en C. C'est un constructeur dont on a un peu modifié le visage, et c'est un constructeur qu'on a eu besoin d'écrire nous-mêmes, surtout. Mais ce que vous avez écrit là, c'est un constructeur. Donc, le truc de faire ça dans une fonction dédiée, bah, c'est aussi que le gros avantage, c'est que tout ça, là, toute cette partie-là, qui est la partie compliquée de mon code, bah, je l'ai écrit une fois pour toutes. Je me trimballe pas avec des mallocs partout dans mon code. J'ai un malloc précis à un endroit spécifique de mon code qui est dans ma fonction de création. Et après, ben, quand j'ai besoin de créer un objet, enfin quand j'ai besoin de créer une variable, j'appelle la fonction de création qui lui correspond. Mais j'ai pas besoin de faire des mallocs partout. Je peux directement nettoyer et structurer mon code, avoir un malloc spécifique à un endroit et appeler ce malloc-là partout où j'en ai besoin. Non, alors oui, c'est possible de définir le constructeur dans la fonction. Justement, j'y viens. J'y viens, ça va être la notion de... Comment dire? Ça va entre autres à nous servir à ça de définir des pointeurs de fonction. Mais j'y arrive. J'y arrive.
Donc tout ça, l'avantage, c'est que voilà, au final, je peux très bien dire ça. Je le définis dans une fonction à part, enfin dans un fichier à part que je vais appeler stdio.h include stdlib.h. Je vais l'appeler donc mystruct.c. Hop, au passage, je me crée un mystruct.h dans lequel je viens implémenter ce que avant j'avais dans mon main.h, donc uniquement ce truc-là. Au passage, je récupère aussi la fonction que j'ai là, que je mets dans mon. Que je mets dans mon point H, hop, comme c'est du prototype, j'enlève les noms de variables parce que j'en ai absolument pas besoin. Hop, mon main.h, dedans, je fais un include de mystruct.h. Hop, il me dit que create struct n'est pas défini. Parce qu'il me manque un élément. Ah oui, hop. Qu'est-ce qui lui manque? Bon, il y a un souci, il y a un fichier qui ne doit pas en inclure un autre. Ah bah oui, non, c'est juste que si je... Forcément... Si je compile pas tous les fichiers, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, je compile bien tous mes fichiers. J'ai bien mon mystruct qui possède son outil de création et la structure qui va bien. La structure qui est détaillée là-dedans et l'outil de création qui est là. Bah, je suis désolé, hein, mais quand vous faites ça... Ça, c'est une classe. C'est une classe qui n'a pas une tronche de classe, mais c'est une classe. Donc à partir de là, vous êtes totalement libre de faire à peu près ce que vous voulez en termes de création, et vous pouvez commencer à faire du pseudo-objet. Bon, les unions, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On l'a déjà vu, on s'en a déjà parlé. Et là, dans mon cas, ça apporte pas grand-chose de plus. Chose importante. Bon, donc du coup, bien faire la distinction entre l'opérateur étoile et l'opérateur point. Mais pareil, ça, c'est des choses qui sont pas spécialement nouvelles. Donc, je vais passer rapidement dessus. Tout alias peut être défini comme un pointeur sur structure, bah c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est cette notion de... Bah ici, en fait, je fais un alias. L'alias qui est ici, c'est bien un pointeur vers un élément de ce type-là. Ce qui veut dire que, du point de vue de mon code, c'est strictement équivalent d'écrire ça. Ou d'écrire ça. Ça revient littéralement au même. Et enfin, donc, oui, bon, pareil, les adresses d'une structure ne sont pas forcément consécutives, mais ça, c'est pareil, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. L'exemple typique, c'est là, cet élément-là, ces trois éléments-là, rien ne me dit que l'adresse de B va être consécutive à l'adresse de A. Une autre manière de le comprendre, c'est de comprendre que les structures ne sont pas des tableaux, en fait. Les structures ne sont pas des variantes de tableau, hein, c'est vraiment des éléments à part entière. Vous pouvez tomber sur des cas où la structure, où les éléments ont une adresse consécutive, mais de base, c'est pas le cas. Et du coup, ça amène ma notion de pointeur sur fonction. Et la notion de pointeur sur fonction,
Alors, c'est loin d'être la dernière notion qu'on peut voir en C, hein, puisqu'en fait, le C, c'est un langage qui est utilisé dans plein plein de cas différents. Alors, on peut schématiser un peu rapidement l'utilisation du C à deux grands cas. En vérité, il y en a beaucoup plus que ça. Et le premier cas, quel cas dans lequel on voit le plus souvent le C quand on démarre la programmation, ben justement, c'est un très très bon langage d'apprentissage. Et il y a beaucoup beaucoup de contextes où en fait il y a plein de gens qui utilisent le C surtout pour un contexte d'apprentissage. Parce que bah, tout simplement parce que c'est un langage qui se prête très très bien à la découverte, qui se prête très très bien pour comprendre les notions de gestion mémoire, les notions de pointeur, les notions d'adresse, les notions de décalage, enfin, les notions algorithmiques de base, etc. Bref, c'est un langage qui se prête super bien dans un contexte pédagogique, et c'est aussi pour ça que c'est un langage qu'on utilise énormément, énormément dans les écoles. Le deuxième contexte dans lequel on retrouve beaucoup le C, c'est dès qu'on veut faire du système et du réseau. Dès qu'on veut faire du système ou du réseau bas niveau, c'est un langage qu'on va beaucoup beaucoup retrouver. Tout ce qui est notamment gestion des appels système, tout ce qui est développement noyau, etc. Le C, c'est quelque chose qui, c'est un langage qui va beaucoup revenir. Parce que c'est vraiment, bah, de toute façon vous le savez, hein, c'est pas la première fois que vous faites du C, mais c'est vraiment le langage qui représente l'ultime frontière. Big up à Star Trek, tout ça. C'est vraiment le langage qui représente l'ultime frontière entre les langages de haut niveau, donc avec une syntaxe manipulable facilement, et les langages de bas niveau, type assembleur. C'est vraiment la première marche des langages avec une syntaxe algorithmique standard, en fait. Et de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça que dès lors qu'on commence à faire du noyau, bah, c'est souvent le langage qu'on retrouve, parce que c'est un langage qui est suffisamment simple à manipuler pour pouvoir faire des fonctions complexes avec, mais en même temps suffisamment bas niveau pour que tous les objectifs de fiabilité, de sécurité, de performance nécessaires à un code noyau soient présents. Et le troisième grand cas, évidemment, c'est tout ce que je résumerai au sens large par le développement embarqué. Et d'ailleurs, pour à peu près les mêmes raisons. Quand on va vouloir faire de la carte à puce, quand on va vouloir faire je sais pas, du développement sur carte embarquée type Raspberry Pi et compagnie, quand on va vouloir faire de l'Arduino, quand on va vouloir faire plein de choses comme ça. On va souvent retrouver du C. C'est pas systématique, mais c'est un langage très 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 répandu dans l'embarqué. Il y a d'autres utilisations, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a d'autres utilisations aussi que ces grands domaines-là, mais disons que c'est les domaines dans lesquels on va le retrouver le plus. Et du coup, la notion de pointeur sur fonction. C'est quoi? Bah, au final, je pense que vous l'aurez compris. C'est dire que dans la mesure où toute fonction est représentable par une adresse. Je veux dire, tout est adresse en C. Donc, dans la mesure où toute fonction est représentable par une adresse, ça veut dire qu'on peut tout à fait créer une structure dans laquelle l'un des membres va être en attente d'une adresse. Sauf que cette adresse, au lieu de la faire correspondre à une variable, bah on peut totalement la faire correspondre à une fonction. Et si on fait correspondre l'adresse dans une structure à une fonction, bah ça veut dire que ce qu'on va créer, en fait, c'est un pointeur de fonction. Et en fait, on va embarquer une structure dans, enfin, on va embarquer une fonction dans une structure. Donc ça veut dire que quand je créerai un élément de type struct, non seulement il aura ses paramètres, mais en plus il sera lié à une fonction spécifiquement intégrée dans la structure que je pourrais appeler à volonté. Et ça, c'est particulièrement fort parce que ça veut dire que, en fait, je peux créer une structure qui possède à la fois des paramètres et des fonctions. Et ben, si vous faites ça, une structure dans laquelle j'ai à la fois des paramètres et des méthodes, bah c'est une classe, hein. C'est complètement une classe. C'est juste que, bon, évidemment, il y a des choses qui sont rajoutées dans les langages objets de haut niveau, mais
De base, vous avez la coquille fondamentale pour créer la notion de classe. C'est une structure, un type complexe avec des attributs et des fonctions. Donc pour recouper à la question de tout à l'heure de est-ce qu'on peut définir un constructeur dans la structure en C, ben oui, parce qu'en fait, oui, totalement. Parce qu'en fait, un constructeur, c'est jamais qu'une fonction. Donc on peut très bien créer un pointeur de fonction vers ce que j'ai là. Et là, à partir de là, j'aurai tout ce que je veux. Enfin, je peux faire appel à toutes les fonctions que je veux. Donc voilà comment ça marche de base. Voilà comment ça marche initialement. C'est-à-dire, le principe même de la structure de fonction, c'est ça, c'est de rajouter des fonctions dans des structures. Et ces fonctions-là, je vais pouvoir les appeler à volonté, comme j'appellerai des fonctions de manière classique, sauf qu'elles seront liées à un objet précis. Et donc j'appellerai ces fonctions sur cet objet-là. C'est-à-dire que de la même manière que avant j'aurais fait S flèche A pour appeler le paramètre A de ma structure, bah là je ferai S flèche F pour appeler ma fonction. Et ce que je veux, c'est vous montrer comment on fait ça et comment est-ce que c'est possible de faire ça. L'exemple typique, alors plutôt que de me baser sur les exemples des slides, je vais me baser sur des exemples qui sont ici. Hop, on va récupérer ce bout de code là et on va essayer de l'analyser ensemble. De base, hop, je me crée une fonction f. Je me crée un pointeur sur fonction. Donc void étoile fonction. Je dis que mon pointeur sur fonction est une fonction qui prend un int en paramètre. Et j'associe ce pointeur sur fonction à la fonction f. Et ensuite, hop, j'appelle f de 10. Et ben en faisant ça, hop là. Qu'est-ce qui me manque? Eh ben. Ah oui, parce que il doit vouloir des parenthèses ici. Voilà. Donc, hop, je mets temporairement ce bloc-là en commentaire parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Je recompile et j'exécute. Là, je viens de me créer un pointeur de fonction. F. Et je peux appeler à volonté f de 10. Comme ça. Mais l'avantage aussi, évidemment, c'est que si je fais ça, j'appelle la même fonction. Autrement dit, mon pointeur ici. J'ai fait une association entre l'adresse de mon point, enfin entre l'adresse pointée par fun et l'adresse de f, en disant que fun pointe sur l'adresse de f. Et du coup, quand je fais un appel à fun de 10, ça fait un appel à l'adresse qui est stockée ici. Donc ça fait un appel à la fonction qui est là. Le gros intérêt de ça, bah, c'est tout simplement que là, évidemment, dans mon micro-exemple, pour le moment, ça a peu d'intérêt, puisque la fonction et son pointeur sont définis strictement au même endroit et sont utilisés exactement dans le même contexte. Mais le gros intérêt de ça, bah, c'est qu'évidemment, on pourrait envisager que ça se soit défini ailleurs, ça aussi, et que je me balade avec ma fonction fun comme je veux à droite à gauche. Le gros intérêt de ça, c'est ça, c'est que là, par défaut, je viens de me créer un pointeur de fonction. Et ce pointeur de fonction-là, bah, il pointe sur f. Dans ma structure ici, donc je vais me créer, hop, de la même manière. Je vais me créer une fonction f dans ma structure. Donc je vais dire dans ma structure j'ai un pointeur vers une fonction qui prend un int en paramètre. Hop, de la même manière je dis que dans ma structure fun, la fonction fun est liée à la fonction f. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de ma structure vont avoir le même pointeur de fonction.
Je dis que... J'appelle sur ma structure S la fonction fun et que je l'appelle sur le paramètre A. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi il m'embête? Qu'est-ce qui lui manque? Hop là, raté. Qu'est-ce qui lui manque dans son bout de code? Non, les paramètres de la fonction, ils sont spécifiés. Ou alors c'est moi qui fais une erreur de syntaxe. Parce que là, ils sont validés. Et là, ils sont validés aussi. Donc normalement, j'ai pas de raison. Bon, je vais y revenir après. Mais en gros, je vais y revenir après sur ma fonction de ma structure, histoire de pas perdre de temps sur ce détail-là pour le moment. Mais globalement, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est que je vais avoir ici mon association entre mon pointeur de fonction et la fonction f. Et ici, je viens faire l'appel de ma fonction en utilisant le paramètre que j'ai mis à l'intérieur. Le gros intérêt de ça, bah, c'est qu'évidemment, du coup, ça fait que ma structure ici, elle a un pointeur de fonction en permanence dessus, et que je vais pouvoir venir utiliser à volonté. Hop, je me fais une petite recherche dans mon coin, juste pour corriger mon erreur de syntaxe. Alors, j'enchaîne là-dessus et je reviens sur le détail après. Évidemment, dans le prototype de un côté. Dans le prototype, donc là-dedans, non, il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'alias de ma structure, ça, c'est l'alias de ma fonction. Mais le fait que là, j'ai trois int, c'est absolument pas impactant sur ma structure en tant que telle. Donc non non du tout. Ça, le fait d'avoir 3 int là n'a rien à voir avec le fait d'avoir 3 int ici. Oui, moi j'ai décidé en concevant ma fonction que ici il y avait une association entre les deux, mais elle est complètement implicite pour le compilateur. Non non, c'est l'erreur de syntaxe, elle est là spécifiquement. Hop. Ok. Je cherche mon erreur. Donc là, on a un élément de type T qui est associé à une fonction max qui est au-dessus. Donc ça, on s'en fout. Hop, à la limite, on va se faire une recherche sur l'erreur directement, on gagnera du temps. Vous remarquez au passage que dès lors qu'on tape sur des pointeurs de fonction, on commence rapidement à venir chercher à tomber sur des codes C++. Très étonnant.
Ah bon, je vais y revenir après parce que je veux pas perdre de temps sur ce détail-là pour le moment. Hop. Donc je reprends ce que j'avais, je reprends le code que j'avais avant et je vais revenir après sur la notion de fonction sur structure pour pas perdre de temps sur ce détail-là pour le moment. Donc du coup là j'ai mon pointeur de fonction qui est défini normalement et à partir de là je peux faire mes appels correctement sur ma fonction enfin sur mon pointeur défini ici. Non non c'est non mais ça a pas c'est pas lié au type de retour de la fonction parce que la seule cohérence de type nécessaire elle est là en fait. Là dans la mesure où le pointeur qui est ici. Et d'ailleurs, elle est même pas, parce qu'en soi, je pourrais avoir une valeur de retour ici qui correspond pas, vu que là, c'est du pointeur générique qui est attendu. Donc, vu que c'est du pointeur en veille d'étoile partout. Donc, non, non, c'est pas un problème d'incompatibilité de type, c'est un problème de recherche des paramètres de la structure, je pense. Mais je vais retomber dessus et je vous l'explique en détail. Je vous l'explique en détail après. Donc du coup, le truc c'est que si je pousse le vis un peu plus loin, que je récupère un exemple de code en plus, donc par exemple celui-là, hop, qu'on va mettre dans un fichier à part, hop, on va l'appeler functions.c. Donc concrètement, je fais quoi? Je me crée trois fonctions, ok? Ben je vais pouvoir venir définir un tableau de fonctions. En fait, je vais pouvoir définir un tableau de pointeurs. Là, je vais définir un tableau de pointeurs avec que des fonctions qui ont exactement le même prototype, donc c'est-à-dire des fonctions qui prennent deux int en entrée. Et à partir de là, ben je vais pouvoir dire, ok, ben mon tableau, il contient trois fonctions, qui sont les fonctions add, subtract et multiply. Là, on s'en cogne, je me crée des valeurs. Le truc, c'est que en faisant ça, donc là, on est bien d'accord que en fait, ce qui est demandé à l'utilisateur, c'est juste une valeur à saisir. Et globalement, dans mon tableau, je viens appeler la fonction qui est à la position donnée par l'utilisateur. Et je viens en afficher, enfin ensuite je viens en afficher les résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je fais un a.out, donc genre si je donne le choix 1, il a bien appelé cette fonction-là, parce qu'il me dit subtraction is 5, donc il a appelé cette fonction-là, parce que je suis allé chercher la fonction qui était en position 1 dans mon tableau. Autrement dit, je peux me créer de la même manière que je peux me créer un tableau de valeurs, je peux me créer un tableau de pointeurs, et mon tableau de pointeurs peut ne contenir que des pointeurs sur fonction. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bah, la beauté du geste, déjà. Parce que il ne faut pas nier l'intérêt esthétique des tableaux de pointeurs de fonction. Mais plus sérieusement, à quoi ça sert? Bah, tout simplement, le gros intérêt, c'est que comme je vais avoir toutes mes fonctions qui sont stockées dans un tableau donné. Ben, je vais pouvoir par exemple faire des traitements successifs ou associer un tableau de fonctions à une structure et ainsi de suite. L'exemple typique, c'est imaginez que je me définisse une batterie de fonctions qui soit liée à une liste. Ben, l'avantage, c'est que si j'intègre mes fonctions dans ma liste, je vais pouvoir. En gros, je vais pouvoir avoir une série de fonctions qui soient variables à intégrer à chacune de mes structures. Pourquoi? Bah parce que là, dans mon tableau, je peux très bien envisager de venir rajouter des éléments en soi. Et dans la mesure où je peux venir rajouter des éléments en faisant du tableau dynamique, bah je vais pouvoir avoir une batterie de fonctions spécifique et définie à part que je vais pouvoir lier à la main à mes variables ou à mes structures, pardon. Une autre manière de le dire, c'est enfin une autre manière de faire, c'est aussi pour tout ce qui va être fonction de traitement et d'association de données, enfin pour tout ce qui va être fonction d'analyse de données en fait, je vais pouvoir définir une série de fonctions qui font des opérations simples sur mes données, je sais pas, les classer, les trier, ce que vous voulez. Et au final, moi ce que je vais avoir en transparence, c'est une batterie de fonctions.
C'est mon ensemble de données, mais à la limite, moi, en tant que développeur, c'est pas forcément moi qui vais choisir à un moment spécifique ce que je vais avoir besoin de faire sur les données. Je vais pouvoir en fait manipuler les fonctions comme des variables et appliquer au coup par coup, selon ce dont j'ai besoin, des fonctions précises, mais que je vais pouvoir faire évoluer. En fait, je vais gagner en souplesse sur la manipulation de mes fonctions. Et ça, quand on a des grandes quantités de fonctions à appliquer sur les mêmes éléments, c'est très pratique, puis ça permet de gagner du temps. En fait, ce que je fais, c'est je dis, bon bah voilà, j'ai ma série de données, j'ai ma série de traitements possibles, et je les manipule comme je veux. J'ai plus besoin de considérer chaque fonction comme une entité indépendante. Je considère toutes les fonctions que j'ai écrites comme un seul bloc qui est stocké dans un tableau, et je manipule ce bloc-là comme n'importe quel autre tableau. Autrement dit, je me mets à manipuler, en faisant ça, je me mets à manipuler les fonctions comme des variables. En fait, je me mets à manipuler les fonctions comme des données. Et ça, en termes de conceptualisation, ça permet de gagner en abstraction, et donc ça permet de gagner en clarté. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Évidemment, le gros intérêt, c'est que ensuite, oui, je peux créer des wrappers de fonctions. Donc, hop, si je me prends un autre exemple, qu'est-ce que ça change par rapport à l'exemple précédent? Bah, en fait, c'est assez simple. C'est que comment dire? C'est que là, dans mon wrapper, je lui donne respectivement fonction 1 et fonction 2. Et ensuite, ici, il appelle la fonction qui a été définie. Mais le gros intérêt, c'est qu'en fait, le pointeur, je ne suis pas obligé de le définir au moment où j'appelle la fonction. Je peux le définir plus tard. C'est juste ça que ça change. Autrement dit, là, dans mon wrapper, je ne sais pas quelle fonction je suis en train d'appeler. C'est la seule chose que ça change. Et évidemment, donc si... hop. Si je compile, ben voilà, dans le premier cas, il appelle la fonction 1, dans le deuxième cas, il appelle la fonction 2. Ça me permet juste de créer des coquilles, en fait, de génériques de fonctions, qui attendent une fonction en paramètre, et qui ensuite appellent cette fonction-là. Ça, ce mécanisme-là, vous l'avez tous déjà vu. Tout du moins, vous l'avez tous déjà vu pour ceux qui ont fait du Python. Donc, à minima, on l'a déjà vu ensemble en début d'année. Ben oui, la fonction Python de tri, la fonction sort, c'est exactement le mécanisme sur lequel elle fonctionne. Elle vous demande un pointeur vers une fonction qui permet de comparer deux variables, qui permet ensuite de baser tout le tri sur cette comparaison. Et ben, imaginez que cette fonction-là, imaginez que les fonctions f1 et f2 là, ce soient des comparateurs. Et ben, l'avantage, c'est que vous allez totalement pouvoir écrire un wrapper facilement, qui va vous permettre de trier, qui va vous permettre de trier une fonction rapidement. Exemple simple. Donc, mettons. Hop, on va l'appeler donc. Hop. Donc on appelle une fonction sort qui prend en argument deux choses, qui prend en argument un tableau d'entier et qui prend en argument une fonction de tri. Enfin, une fonction de comparaison. Donc, hop. On va se créer deux variables i et j. On va dire donc pour i allant de 0 à donc on va dire tab.length. Donc dans un premier temps, je me fais un tableau statique, c'est juste pour gagner du temps. Hop, donc je me crée ma première boucle, je me crée ma dernière boucle. J égale 1, enfin j égale 0. J inférieur à 10, J++. J inférieur à i, pardon.
Hop, donc je me crée un tri, comment dire, je me crée un tri à bulles, tout ce qu'il y a de plus standard. On est d'accord que dans le tri à bulles standard, là j'aurais tendance à dire, bon bah si table de i inférieure à table de j, alors on alterne les deux. Donc TMP égale table de i. Table de i égale table de j. Et table de j égale TMP. On est d'accord avec ça. Donc cela. Ben justement, qu'est-ce qui différencie d'une classe? Plusieurs choses. Ben, déjà le scope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de public, private, protected dans C, par exemple. Donc on n'a que des classes entièrement publiques. La souplesse de manipulation aussi, bien entendu. Enfin, y a encore des petits détails qui font qu'on fait de l'orienté objet sans faire de l'orienté objet. Mais globalement, oui, on se retrouve avec des types complexes qui ont des attributs et des méthodes, donc on peut assimiler ça à des classes. Maintenant, voilà, ce qui va manquer par rapport aux classes, c'est que, voilà, ça va être tout ce qui est gestion du scope, ça va être tout ce qui est gestion d'éléments statiques, etc., qui vont être un peu délicats à gérer. Et donc, du coup, là, plutôt que de faire ça, bah, je vais me créer un comparateur où je vais dire CMP de IJ si CMP de IJ inférieur à 0, d'accord? Ici, ailleurs dans mon code, je vais me créer une fonction CMP donc qui prend deux arguments, enfin qui prend deux entiers et qui dit bon bah si A inférieur à B, return moins 1. Else, if A supérieur à B, return 1, sinon return 0. Ok. Donc ça, c'est mon comparateur. Bah, l'avantage, c'est qu'ensuite, je vais pouvoir, dans ma fonction, donc int tab, hop, je me crée mon tableau tranquille. Neuf, il m'en manque un, c'est 6. Je me crée mon tableau tranquille. Ben, je vais pouvoir ensuite faire appel à ma fonction de tri, donc sort, où je vais lui donner mon tableau et ma fonction CMP. Donc ici, je vais me créer une fonction f. Je vais appeler ma fonction f directement, histoire de pas faire de confusion. Là, l'avantage, c'est que en faisant ça, je suis en train d'appeler une fonction de tri que j'appelle sort, avec mon comparateur qui va bien. Ma fonction de tri, elle est là. Elle prend mon comparateur en argument pour savoir sur quoi baser son tri. Et c'est tout. Alors, je vais virer les petites erreurs, parce que je pense que j'ai des erreurs de syntaxe au passage. Notamment ici. Alors, notamment ici. Hop. Parce que je vais avoir des nécessités de comparaison de type, ce genre de choses. Hop. TMP undeclared, oui. Hop, donc je me déclare mon TMP et il me manque un point virgule ici. Donc là, l'avantage de ça, c'est que j'ai bien ma fonction de tri qui est là. Ma fonction de comparaison qui est ici. Et là, ce que j'appelle quand je veux trier, c'est directement ma fonction sort avec l'ensemble de données et mon comparateur. Le gros avantage, c'est que si à un moment donné dans mon code je veux trier mes éléments autrement, bah j'ai pas besoin de modifier mon algorithme de tri. J'ai juste besoin de modifier mon comparateur. Si à un moment donné je me mets en tête de vouloir pourquoi pas trier des strings plutôt que des ints, bah j'ai juste à modifier les types qui sont ici pour dire que mon comparateur c'est plus des ints, c'est des strings. Voire même, je peux même créer un comparateur qui se base sur des void d'étoiles pour avoir un comparateur générique.
Et le gros intérêt de ça, bah, c'est que je vais avoir une seule fonction sort que je vais pouvoir appeler partout dans mon code et qui sera compatible avec tous mes types, avec tous mes types de comparaison, etc. et qui appliquera le même algorithme de tri partout. C'est-à-dire que là, je fais une distinction entre les données que je trie et la manière que j'utilise de les trier. Et le gros intérêt, c'est que bah là, évidemment, bon, moi, je me suis fait un tri à bulle à l'arrache quelconque, mais là, je peux mettre l'algorithme que je veux pour faire mon tri, je m'en fous. C'est en fait l'algorithme que j'ai juste besoin de l'écrire une fois. Et une fois que j'ai ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est me servir de cette fonction-là, en appelant ici mon pointeur de fonction qui va me servir de comparateur. Et par contre, des comparateurs, bah, je peux en décliner 50 000 selon les types de données que je veux utiliser. Oui, KDE est bien pratique. Bah, surtout que maintenant, ils ont mis le doc en natif, c'est quand même devenu plutôt confortable. Donc voilà à quoi ça me sert aussi les pointeurs de fonction. Et ça, c'est exactement la structure qu'il y a derrière la fonction sort en Python. Derrière la fonction sort en Python, il y a exactement cette approche-là de on a une fonction qui récupère un comparateur d'éléments pour pouvoir faire son tri. Et en réalité, ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qu'on retrouve partout. Il y a le même principe en Java avec les objets comparateurs. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait du Java, il y a le principe des comparateurs qui fonctionnent sur le même modèle. Et donc ça, forcément, bah, c'est particulièrement fort. Voilà comment je peux me servir des éléments et voilà comment je peux voilà à quoi peut me servir un pointeur de fonction. Alors après bah bon, voilà, vous voyez, typiquement là il fait exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Etc. 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 Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples typiques, mais enfin d'exemples d'applications typiques des pointeurs de fonction. Mais globalement, l'idée, c'est le gros intérêt, c'est qu'on se met à considérer les fonctions comme des variables. Donc en fait, on peut les passer dans des wrappers, comme ici. On peut les passer dans des tableaux, etc. 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 On se met à traiter les fonctions comme des données. Voilà à quoi ça me sert. Voilà à quoi ça me sert et voilà ce que je voulais vous montrer sur les pointeurs de fonction. Alors maintenant, hop. Dans le cas de ma fonction, dans ma structure, je vais essayer de revenir à mon erreur de syntaxe de tout à l'heure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui lui plaît pas? Donc du coup. Void Ah oui, c'est juste. Alors, on va commencer par ça. Donc, on l'a appelé. Main.c mstruct.c Dereferencing pointer to incomplete type. Je suis un petit peu surpris. Qu'est-ce qui lui manque? Hop là. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'on veut? Hop. Qu'est-ce qu'on veut qu'on n'a pas déjà en fait? C'est la question. Bon, à la limite, sur cet élément-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le corriger dans mon coin, le temps de trouver. Je le corrigerai dans mon coin, puis je vous montre l'exemple après. Je vous montre l'exemple après sur Discord. Il manque la fonction dans la définition de la structure. Donc là-dedans.
dans. Bah non, elle est là. Non, non, elle est là. Oui, il y a un décalage entre le moment où vous me posez la question et le moment où je réagis, parce qu'en fait, il y a un décalage entre Twitch et la réalité. Bah non, 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 la fonction, elle est là, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Fonction unsetStruct. Blablabla, on s'en fiche. Oh ben on va, c'est pas grave, on va faire une recherche sur l'erreur. Faire une recherche sur l'erreur à partir de. Ah, ou alors c'est qu'effectivement. C'est qu'effectivement, il y a des éléments qui voient pas. Bah pourtant tous les éléments sont définis partout, donc c'est quand même plutôt étonnant. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir hop, sur un monofichier dans un premier temps, simplement pour être sûr que c'est pas un problème de. Simplement pour être sûr que c'est pas un problème d'inclusion. Donc là, si on fait ça. Je fais juste ça pour vérifier que c'est pas un problème d'inclusion, hein, tout simplement. Alors, allons-y. Du coup, on a aussi besoin de récupérer ce truc-là. Struct my struct has no member name F. Oui, parce qu'il s'appelle pas F, il s'appelle Fun. C'était tout simplement ça. Non, si c'était ça, je suis déçu. Donc ça veut dire que là, hop, si je fais un include de main.h. Hop, on vire tout ça. MyStruct récupère bien ça. Je crois que je sais pourquoi. Hop, et je crois que ça n'a rien à voir avec les pointeurs de fonction. F undeclared first use is in this function. Hop, c'est où? C'est dans le main. Voilà. C'est tout simple. Moi, je suis sous. En fait, c'est pas que l'élément fun n'existait pas dans la fonction. Enfin, dans le deuxième cas, oui. Mais c'est simplement que comme j'ai différencié la définition de l'alias qui était dans le point H et la définition de la structure qui était dans le point C, il ne retrouvait pas ce truc-là parce que le point C ici n'a pas accès au point C qui est là. C'est tout l'intérêt de créer des points H, hein, c'est de rendre des trucs publics et pas d'autres. Du coup, l'implémentation de la structure n'était pas connue. Du coup, le S flash fun, il m'insultait en disant qu'il ne le comprenait pas. C'est l'erreur venait de là. J'utilise quelle distribution de Linux? Là, ça, pour du quotidien, c'est Debian 10. C'est Debian 10 et KDE. Oui, je sais, plein de gens pourraient me convaincre que utiliser Debian c'est pas bien, il y a tout autant de gens qui pourraient me convaincre que utiliser KDE c'est pas bien. Allez manger du sable. Voilà. Pour plein de raisons, je suis très confortable avec les deux. Je fais un tout petit peu de Kali aussi, mais même pour le boulot, oui, parce que moi je fais surtout de la sécu en fait, plus que du dev.
Même pour le boulot, je préfère une Debian bien configurée, une Kali, je trouve ça plus confortable en fait, et au final tout aussi fonctionnel. Maintenant, il y a plein d'autres distros tout aussi intéressantes. Bref, tout ça pour dire, là j'ai bien ma fonction, et si je fais un point A1, A.out, ah, j'ai un segfault. Pourquoi j'ai un segfault? Parce que j'ai ma fonction qui doit être, parce que j'ai ma fonction qui doit être mal définie. Ici. Voilà. J'ai bien fait l'association entre ma fonction ici et la fonction que j'ai créée là. Et du coup, ça fait que dans ma structure, je me retrouve avec ma fonction fun, évidemment. Le truc, c'est que bah, à partir de là, je peux évidemment décliner tant autant que je veux et définir la quantité, une batterie de fonctions comme, bah, comme je le souhaite. En fait, j'ai pas de, j'ai aucune contrainte de ce point de vue-là. Vous remarquez deux choses intéressantes. La première, c'est que l'implémentation de la fonction f n'a pas été publiée dans mon point c. Ça veut dire que là, ma fonction f, elle est rendue publique, même si elle n'est pas dans mon point h. Pourquoi? Parce que là, il y a une association d'adresses qui la rend récupérable depuis ma structure. Donc ça veut dire que... Alors évidemment, le code n'est toujours pas plus publié que qu'avant, mais ça veut dire que l'appel de ma fonction f n'est pas, ne, n'impose pas qu'elle soit définie dans mon point h. Ça, c'est très utile à connaître. Petite subtilité, mais c'est très pratique. Évidemment, je peux définir toute la batterie de fonctions que je veux là-dedans. Petite subtilité néanmoins pour mon constructeur. Bah oui, parce que le problème du constructeur, c'est que c'est une fonction qui nécessite déjà, de base, d'avoir une structure préinstanciée pour pouvoir créer une autre structure. C'est-à-dire que là, si je modifie la structure que j'ai là, que j'ai créé une fonction, donc... On va l'appeler struct myStruct étoile create. Et donc on a dit, elle prend trois entiers, c'est ça, oui. Donc int, int, int. Dans mon fichier struct.c, je dis s flash create égale create struct. Create declared as a function. Bah oui, c'est le but, mon petit pigeon. Assignment to struct from incompatible pointer type. En quel honneur? Oui, parce que le. Parce que Hop là. Parce que lui, il renvoie du mystruct pointer, alors que lui, il recherche du struct mystruct étoile. Voilà. Donc, je définis un pointeur sur ma fonction create dans ma structure. Je fais une association entre ma fonction create et le, enfin entre ma fonction create struct et le sCreate. En faisant ça, à partir de là, ben, je vais pouvoir faire un s flash create de je sais pas A, B, C et dire que ma nouvelle structure c'est S flash create de, donc je sais pas, 10, 11, 12. Hop, si j'apprends à mettre des points-virgules, c'est mieux. Ça, c'est cool, parce que ça fait que... Donc là, évidemment, je vais remplacer 10 par S flash A. Donc là... En gros, que fait ma fonction f? Elle a fait, elle affiche juste la valeur. Donc dans mon cas, j'affiche la valeur de s flèche a. Ici, je vais pouvoir recréer une nouvelle structure sur laquelle je vais appeler la fonction fun, cette fois sur new struct flèche a aussi. Tout va bien, donc tout marche, c'est cool. Le problème, c'est que l'appel à ma fonction create ici, le tout premier appel là, bah, il nécessite d'avoir un premier élément en fait. Donc ça veut dire que pour pouvoir créer et appeler mon constructeur dans une structure, il faut déjà que j'ai un autre constructeur ailleurs.
Donc à partir de là, j'ai plusieurs solutions. Soit je me contente de ça, c'est-à-dire que je me contente de ma fonction de création de manière statique et totalement dé détachée d'une structure. Soit je crée une structure ici, de base, avec une fonction dédiée, dont le rôle sera de créer d'autres structures. Mais je ne peux pas avoir un constructeur intégralement poussé dans ma structure parce que pour la création du tout premier objet, je vais avoir besoin d'une fonction statique en fait. Parce que la notion de fonction statique n'existe pas en C, par définition. Donc ça veut dire que je ne peux pas appeler une fonction dans une structure si j'ai pas un objet de la structure. Une autre manière de le comprendre, c'est de dire ça, je peux pas le faire si S n'existe pas. Et donc je peux indirectement, oui, je peux indirectement mettre un constructeur dans une structure, mais il ne sera pas parfait, puisque j'aurai besoin d'un premier élément. Par contre, chose que je peux faire et qui est très 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 pratique, c'est dans tout ce qui va être création et gestion des listes chaînées, ben, je vais pouvoir me créer une structure de liste. Donc hop, je me crée un nouveau fichier. Oui, puisque évidemment, le C, là où on commence à rigoler, c'est quand on mélange ce qu'on vient d'apprendre avec la notion de liste. Donc, struct liste. Donc, on va dire struct list étoile next et int valeur. D'accord? Donc, on a une structure de liste chaînée un peu plus standard qu'on va appeler liste. Le truc, c'est que je vais totalement pouvoir là-dedans me définir des palanquées de fonctions. Par exemple, int étoile size. Que dalle. Int étoile, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Int étoile add de d'int, etc. Je vais me définir des batteries de fonctions dans ma liste chaînée. À chaque fois que je vais créer un maillon d'une liste, je vais lui associer les fonctions qui vont bien. Et l'avantage, c'est que du coup, dans ma liste chaînée, bah, j'aurai intégré à la structure toutes les fonctions nécessaires à la gestion de ma liste, donc le calcul de la taille, le rajout d'un élément, la suppression d'un élément, que sais-je, le rajout en tête, le rajout en queue, etc., etc., etc. Donc en gros, je vais pouvoir avoir dans ma liste les fonctions nécessaires pour la gérer, comme j'aurais dans une liste dynamique standard que je vais retrouver en C++ ou en Java. Autrement dit, je vais avoir cette force-là d'avoir toutes mes fonctions nécessaires rajoutées dans ma structure. Le gros intérêt de ça, évidemment, bah, encore une fois, hein, c'est que en faisant ça, je suis en train de faire de l'objet. J'ai mes paramètres, j'ai mes fonctions. Comme je suis en C, bah, je profite de pouvoir utiliser tous les outils de base de gestion de la mémoire. Donc, je peux faire des malloc, je peux faire des free, je peux faire des calloc, je peux faire des bidules, j'ai des pointeurs de partout, machin. Mais en plus, j'ai la puissance de l'objet. Alors je vous l'accorde, syntaxiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Mais par contre, ça me permet d'aller assez vite, assez loin dans le concept du langage. Et ça me permet de couvrir tout un tas de fonctionnalités d'assez haut niveau. Alors ça veut pas dire que ça fait tout, hein. J'en parlais tout à l'heure. Je parlais notamment de la gestion du scope, etc., qui sont des choses qui sont quand même très propres au langage haut niveau. Mais ça fait que là, par défaut, bah, il y a tout un tas d'aspects objets que le langage couvre déjà. Voilà le mécanisme de base des pointeurs sur fonction. Donc je peux créer des pointeurs sur fonction générique, je peux créer des tableaux de pointeurs de fonction, je peux créer des pointeurs de fonction dans des structures. Etc., etc., etc. Évidemment, dans ma notion de liste de tout à l'heure, je peux totalement récupérer mon exemple de tableau de pointeur. Hop. Donc, il est. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Si je récupère mon exemple de tableau. Hop. Dans ma liste, je vais pouvoir rajouter un tableau de fonctions.
Et l'avantage de ça, c'est aussi que ma liste pourra contenir 2, 3, 4 ou 15 000 fonctions de manière totalement enfin, de, pas aléatoire, mais de manière totalement arbitraire, selon la taille du tableau que j'ai ici. L'avantage de faire ça, c'est que c'est plus générique. L'inconvénient, c'est que c'est à moi de me souvenir de où est-ce que à quelle position je stocke chaque fonction dans le tableau, ce qui n'est pas forcément hyper confortable pour des fonctions de gestion, mais par contre pour des fonctions de tri ou des fonctions de classement, c'est pratique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Et après, bon, les listes chaînées, vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de revenir dessus. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur les notions de pointeur de fonction. Je vous enverrai évidemment le. Je vais vous envoyer tous les exemples de code que je vous ai montrés aujourd'hui. Je les rendrai disponibles d'une manière ou d'une autre. Mais globalement, voilà, le gros intérêt à comprendre, c'est que le pointeur de fonction, c'est vraiment la dernière étape dans le développement en C avant d'aller vers l'objet. C'est vraiment le dernier seuil avant d'aller vers l'objet, puisque quand on commence à faire ça, on fait du C orienté objet en fait. L'autre chose aussi à savoir, c'est que la plupart des librairies haut niveau en C, et notamment les librairies graphiques, je pense à des librairies comme GTK, sont basées là-dessus, sont basées sur le C orienté objet. Donc il faut donc voilà, donc faut aussi connaître ça pour pouvoir se servir de ces librairies-là. Voilà pour ça. Merci, merci, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de rester. Ah, j'ai une question. On peut mettre un pointeur de fonction. On peut faire ça. Non, parce que. Parce que quoi? Parce qu'en fait, si je fais ça. Remarquez, ça doit marcher. Ouais, non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, là, ce qu'il crée, c'est pas une association de fonctions, c'est vraiment juste une adresse. Et si ici, je me mets à créer une variable, enfin, une valeur constante, ça veut dire qu'il doit créer une deuxième adresse, enfin, une deuxième variable ailleurs, une deuxième adresse ailleurs pour stocker ça. Ça, il ne connaît pas son type implicitement. Hein, puisque 10 en C, ça n'a pas de sens. Donc il n'est pas capable de faire du typage dynamique. Donc non, si je veux créer des paramètres par défaut, faut que je les renseigne dans ma fonction directement. Je peux pas les créer ici, à la définition. Donc du coup, voilà. Merci d'avoir eu le courage de suivre jusqu'au bout, malgré, disons, le changement de format. On va évidemment mettre tout ça en pratique. Et puis, bah, ce que je vous propose, moi, c'est de se retrouver sur Discord d'ici un quart d'heure. Je vous envoie l'adresse du serveur par mail. Et puis, bah, dans ce cas, ouais, à dans un quart d'heure. Et puis, vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà. Salut!